Laissez jouer le scorpion. Salut et bienvenue. On se retrouve pour la 20e partie de Mercenaries Saga sur la Switch. Donc là, on se retrouve pour le 20e chapitre Black Wall. Donc ça va sûrement être un combat de boss. On va combattre le général Garst, si j'ai bien suivi le nom. J'ai pas fait ma sauvegarde la dernière fois. Oups. Ok, bon, je vais juste regarder, j'ai pas regardé cette fois-ci s'il y avait de nouvelles affaires dans le magasin. Bah, en tout cas, pas les armes, parce qu'ils ont déjà eu les dernières armes. Mithril Hood, hop là, ça serait mieux. Oui, allez hop, voilà, c'est acheté. Ça serait plus intéressant pour toi aussi. Oui, ok. Lui, je crois qu'il est nouveau, ce casque-là. Silver Band Beret. Le Silver Band, non, il a moins d'évitement. Ok, pour les body. Mithril, V9, Stingly Sweet, 42, il a... Oups. Non, le Mirage Vest, c'est un must pour l'esquive. Hop, 34, le plus gros esquive, donc non, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Là non plus, et dans Magic, on a une Claymore, un Bronze Mail, un Battle Hammer qui fait Ice, Chain Mail, et Long Staff. C'est toujours des objets de bas niveau qui sont dans Magic. Je pense qu'il faut vraiment les acheter pour faire de la synthesis. Donc prendre un objet magique, puis le transformer, mettre les synthesis. Ah, mais pour ah, il faut quand même un objet magique comme base. Donc si t'as pas un objet magique de bon calibre, ça sert à rien de faire du synthésiste. Ok, et puis pour ce qui est du trade, j'ai juste deux puzzle pieces, ce qui fait que... Ça je l'ai déjà acheté. Vanguard. Master Archer, Julia, change to healer ou Valkyrie. On va checker le healer. Et puis oui, on va aller voir directement à la classe. Qu'est-ce qu'elle offre? Ouf, elle coûte 900 SP. Area Cure, All Heal. Oh! Ça soigne tout le monde sur la carte. Anabio, Revive, with 100%, 100%. Ouh, plus de 75% de réussite. Ah, Sanctuary, Attack with Only Land, Range 3, Scope 2. Oh, c'est bon ça. Ok, bah, let's go. Bon, au niveau des stats, c'est moins bon. Mais, bah, c'est bon, j'ai débloqué les skills. Donc on va rester Bishop parce que les stats sont meilleurs. Mais maintenant... Ah, bon, j'ai pas assez de temps pour les apprendre. Bon, ça va être pour la prochaine mission. Hop là. Skill, Concentrate. C'était quoi l'autre affaire? Feint. Ok, puis Runmel. Tornado. Earthquake. Paralyze, ça augmente pas son range. Magic Resistance. Le reste est tous master, ok, il reste plus que Rune Master. Et après ça, on avait ici... Oh, il est passé niveau 40, mais de rien, il a un niveau de plus que Léon. Alors, Artery Sup, ça fait vraiment mal, Line Spark aussi, Powder Ball, je l'ai jamais utilisé. Et puis après, on va masterer ça, Cocktail Molotov aussi, et puis First Aid, on va le monter, voilà. Ok. Petite save. Parce que là, si c'est un boss, je vais galérer, c'est certain. Les boss sont toujours durs. Tant qu'on parle story, c'est parti. Je suis le général Gartes. Donc, vous l'avez fait. Général Gartes,
Alors, quand ils nous ont rappelé des front lines, de la ligne de front, j'aurais jamais pensé que c'était pour cette raison. La vie nous réserve plein de milliers, plein de mystères, hein, Falter? Pourquoi vous suivez, qui vous servez Kelnar? Not only did he bring about this war, but he's also trying to usurp the king. Il n'a pas seulement amené la guerre, mais il essaye aussi d'usurper le roi. Moi, je m'en fous du roi et du pays. Tout ce que je veux, c'est la guerre. Quoi? Tu ne comprends pas, Walter? Pour, en gros, pour combattre de puissants ennemis et faire face à la mort, des victoires emerging. Sortir victorieux n'est pas avec empty chair before you. Il n'y a pas de plus grand sentiment. Je me sens vivant. Je me sens pas vivant s'il n'y a pas de guerre. Je ne comprends pas. No, I do with two. Comment un petit garçon pourrait, comme toi, pourrait comprendre? Vous faites de formidables opposants, Walter. J'ai toujours voulu te combattre. Pas sur le terrain d'entraînement, mais en vrai. Pour être honnête, je ne voudrais pas me battre. Mais si c'est pour sauver le roi, je vais vous battre. Même si ça me coûte la vie. C'est l'esprit. Viens! Oh non, il y a des troupes avec lui. Bon, Balfour ne doit pas retreat. Ok, donc le boss est au bout là-bas. Niveau 44. Ensuite, on a un guérisseur et un mage. Ensuite, là, on a un archer ici. On a un autre mage là et un soigneur entre deux. Ok, donc l'archer va me faire chier. Quand je vais aller essayer d'attaquer l'archer, il y a les autres qui vont s'approcher. Ok, la bataille va être compliquée au niveau 40. Bon, ouais. On va garder notre équipe gagnante, c'est-à-dire ceux qui ont les plus hauts niveaux. Non! Ah non, c'est bon, je vais pouvoir l'équiper au début du tour. J'ai eu peur. Bastion and Run Mel. Ok. Alors, Julia. Équipe. Alors, tu reprends ta Kali Lance, ton Tower Shield, Mithril Hood, Mystic Academy et Ring. Ouf! Alors, Protection. Ah zut, j'ai mal placé mes troupes. Faudrait que Léon il l'ait. Voilà, bon, c'est pas trop grave pour Ron Mel et pour Julia, ils vont rester en arrière, même s'ils risquent d'être ciblés par l'archer. Donc toi tu commences direct par choper lui. Merci pour le critique. Ensuite. Bon, lui il va pouvoir tirer quoi qu'il arrive. Et le mage. 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3 ou 4. Il va pouvoir faire ses sorts, c'est sûr. On va tenter le. Je bouge pas. Defend. Et ici, est-ce que tu as la possibilité de lancer un sort? Non. Mais tu peux faire ça! Doom, 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 doom. Hey, de l'XP en masse. Donc ça c'est obligé. And rush. Ah, ça contre. Ça contre le contre. Enfin, ça empêche le contre, ce que je veux dire. Ok, le mage n'a pas bougé, c'est une bonne nouvelle. Bon, lui il va foutre. Alors, self-defense.
Ok, bon. J'espère que ça va pas ramener le mage, ça. Ah non, non, j'ai une autre idée. Je me mets ici avec Julia. Hop, skill, line spark. Tchouf! Voilà, bon. J'adore. Il fait que lui, je peux le déplacer de 1 et je peux faire un burn fire. Fire, fire! Et voilà, bonne stratégie. Donc, on devrait pouvoir avancer un peu pour amener le magicien. On va faire star. Hell's Gate. Ah, confusion. Continue à te faire des stealth defense. Bon, alors, comment on défait ce mage? Fireball. Pouf. Voilà, on a déjà perdu plus de la moitié de sa vie. What? Oh non! Rate pas comme ça, rate pas! Bon, lui, il va falloir enlever Confusion. Donc, normalement, Cure. All abnormal statue. Hop! Donc, je devrais pouvoir aller là. L'autre, c'est un guérisseur. Alors, on s'en fout. Donc, là, tu vas faire Stun Blow. Touche! Ah, ça l'a pas paralyzed. Pas grave. On va l'avoir comme ça. Alors, attaque, ça fait 251, bye. Approchez, mesdames et messieurs, tel prochain à mourir. Donc, on va avancer. Ça. Mais derrière, pour pas me retrouver de côté, parce que je lui fais un first aid. Hop, niveau 40. Le but, c'est de pas amener le boss avant que j'ai éliminé tous les autres. Ça se peut que je me tape le mage en même temps. On remarque si j'arrive à me mettre à portée du mage. Et l'autre 116, on va pas faire ça. Ok, alors lui va aussi s'occuper de ceux qui sont là-haut. Ah merde, j'en touche qu'un seul.
au milieu de niveau, voilà, je devrais pouvoir toucher les deux. Les points de vie pour tout le monde. Puis toi, on va t'achever à 197. On va faire heal it. Non, ça fait moins de dégâts. Ignore. Boom. Voilà. Me mettre ici, je vais attirer l'autre, on va faire absolu def. Display feint, ça esquive le chaos. Alors il va tirer sur Van Mel, j'en étais sûr. C'est le seul qui a pas le protect, mais bon. Bonne défense, ça va. Bon. Puis il soigne. Ok, donc l'archer il est mort. Coup critique directement dans le cul. Alors en me mettant au corps à corps de même, ça va peut-être amener le mage. Chez le bash, on va voir ce que ça fait. Ça l'a pas fait reculer. Bon. Allez, rentre chez ta mère. Bon, il a réussi à le paralyser. Merci d'avoir approché. Bon, lui, il recule, merde. Alors. Le 41, alors... Tu fais vraiment mal, Léon, avec cette arme-là, je suis très content. Bon, connais tout le monde. Ah, bah, j'aurais pu faire Q, vraiment, mon personnage n'était pas assez blessé. Ça il va reculer lui. Enfin, au moins personne qui prend de dégâts. Alors. Merci d'avoir montré ton dos. Voilà. Bon, maintenant il reste plus qu'à se mettre à portée du mage. On va avancer d'une case par une. Puis on va faire des Iron Walls, on va le faire monter en niveau. Ah, de toute façon, il faut que je remette protection. Skill. Ouais, vas-y, juste pour l'XP. Ah, remarque, je vais faire Store, Rollover. Non, Rollover, c'est vraiment quand je vais me faire attaquer, c'est déjà qu'un seul tour. Bon, ici on va faire Life Barrier pour une sécurité. Ouais, tu vas te mettre ici et tu vas faire un search.
Voilà, 10 d'XP gratuit. Protection, après on pourra faire un bless. Ouh! Le 42, Julia, mad, my! Divine Stance, ouais, pourquoi pas. Ça augmente les chances de toucher. Bon. Toujours pas le mage. Je pense qu'il faut que je mette sur la ligne du mage ici. 1, 2, 4, on va mettre dans le coin. Yes! Hop! Au moins, ça fait monter l'XP à tout le monde. L'XP, oui, entre autres. Mais la magie, surtout la mana. Tiens, je vais me permettre d'Earthquake. Il perd vraiment pas beaucoup de vie, le boss. Ah, mais ouais, il se fait l'XP sur le boss. Le boss, il est niveau 44. Oh, oh. Hop, bless. Store. Normalement le mage devrait avancer. Pas assez. Oh, il avance mais il lance pas de sort. Donc normalement je peux quand même reculer peut-être de quelques cases. Accelerate. Je mets lui dans le coin, je peux tirer dessus. Boum. Puis je peux refaire le squeak. Tant de mana, j'en ai plein. Boum. Ok, il ne gagne pas tant de mana que de points d'XP que ça. Toi, reste là. Tu peux faire un anti-flamme. Parce qu'il fait comme magie l'autre là, mais oui, bien poche. Voilà, plus il fait mal. Alors tu vas pouvoir te venger. Voilà, et puis normalement si je fais ça, voilà, il n'y a plus de mage. Ok, on va être prêt pour le boss. Ok, je fais juste first aid. Ok, niveau 1, ça donne pas beaucoup. Allez, on avance d'une case. Kill, Iron Wall, je pense que j'ai tellement. Bah, ça augmente pas plus que 50%, hein, ça c'est sûr. Ok, bon. Ça y est, il avance. Yes, sir. Bon, qui a le plus d'aggro, c'est le mage, donc on va tout de suite faire un peace. Oh, elle est à 400. Alors, on move, on se tire, et hop là. Premier dégât pour lui. Je sais pas s'il va faire des skills de dégâts de zone. Donc, on prend pas de chance. On se met là. On fait defend. On se met ici. Et on fait la même chose. Là, on se met en arrière. Et on fait airblade. Ah non, ça passe pas.
si je me mets ici, ça passe-tu? Non. Bon, on va faire un petit squeak. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Sengoku Slash, qui peut être fatal. Et qui a réussi à être fatal. Alors, skill resurrection. Ok, bon. Archery. Il l'a contré avec le bouclier. Boom. Je peux pas me permettre d'ouvrir un stun blow. Je pense qu'il va être immunisé à paralysie. Ok, j'ai tellement boosté l'armure. Ouais, on va récupérer 100 points de vie parce que là, même s'il peut one shot. Qui s'en allierait. Ah non, ok, par l'arrière. Survive. ok, alors, pas attaque, skill, high healing. Ok, j'ai pas la portée pour ça. Bon, on va faire healing normal. Ouais, mais faut que je la protège, là. Ça fait quoi, Marc, déjà? L'ennemi a 50%... 50 d'esquive de moi. Ok, ça fait combien? 191. Ça fait combien? 152. Donc, on va faire Line Park. Voilà. Run Mill. Juste reculer. On va faire un autre fireball. Ensuite, tu auras assez de mana pour faire ignore. Ouais. Ça va faire mal. Ouf. Parfait, plus un level up. Il faudrait que je remette Protec. On va faire Stun Blow. Ça va. Ses attaques de base ne font pas très mal. Ses skills font très très mal. Et vu qu'il s'acharne sur mon Léon. Yes. Alors, 213. Ensuite, hop, tu vas mettre là. Hop, Line. Line Spark. Et il y a quand même vraiment beaucoup de vie, le boss. Alors, voyons voir. Ouais, là par contre, j'ai pu. Attaque normale. Et de son prochain tour, il est vaincu. Ok, il va s'attaquer à mon mage. Petit lâche. Ok, bon. Pour se faire plaisir. D'avoir de l'XP. Hop, tu vas soigner Ronmel. Bon, qui est-ce qui se donne le plaisir de l'achever? Ça va être Balter. Alors, une attaque normale, 63. T'as pu assez faire un skill, donc j'espère qu'il lui reste ça de vie. Oui! Un Jet Black Armor!
Gars! Général Gartz. Vous êtes fort, Walter. Peut-être le plus fort de tous les hommes que j'ai combattus. Donnez-lui un soin. Ne faites pas. I want you. Want you. Il ne faut pas respecter les vaincus. Laissez-moi mourir comme un soldat. Mais le pays a besoin de vous. Si on vous perd maintenant, Walter, respecte les souhaits du général. Ce n'est pas une triste fin. On y part en clignotant. Walter, poussons en avant. Nous devons toujours sauver le roi. Yeah. Votre Majesté. Ah, Walter, tu viens me sauver? La porte était pas fermée. I'm just glad you're unarmed. Unarmed. Ça veut dire quoi ça? On va faire un petit Google traduction. Bref, je suis content que vous êtes sain et sauf, quoi. Et le mercenaire devant vous, Léon, c'est ça? Yes, oui. Vous pouvez le remercier et ses hommes. I'm here now. Attends. C'est grâce à lui, en gros, et ses hommes que je suis ici maintenant. Je vois. On doit lui donner une récompense. Je lui donne mes remerciements. Je vous dois les remerciements, Votre Majesté. Nous devons arrêter le ministre Kelnas, les schémas, ouais, bref, ses ambitions, vous dites. Il planifie votre... ses plans pour prendre le trône, vous, de moi? Non, quelque chose de... dreadful, de plus dangereux. Dites-moi, de quoi vous parlez, Léon? L'autre jour, il a ordonné d'amener un coffre sacré de Wano, celui connu du joyau des dieux. Un tabou magique, un objet magique tabou, qui a un pouvoir terrifiant. Tabou, quel genre de pouvoir? Une porte dimensionnelle entre ce monde et l'esprit et le monde des esprits. Le joyau ouvre ça. Le ministre veut invoquer des démons, des ténèbres, et les utiliser pour prendre le continent. Quoi ? Quand il a obtenu le joyau, il a aussi obtenu le savoir. But your mistake. Par notre faute, nous avons raté... oui, c'est ça, nous avons failli à l'arrêter. Ok. Dear Walter, prenez Léon. Le pouvoir de Léon est stoppé ses plans. Ne sera pas nécessaire, Votre Majesté. What do you mean? Que voulez-vous dire? Nous, les chevaliers Léon, we'll take on s'occupe de Kelnar. Walter, should take you. Devrait vous emmener à une place. En sécurité. Compris. Je vois. I wish you save the kingdom. Not this world. No. Bref. Vous allez sauver notre royaume. Non, le monde. Yes. Votre Majesté. Bon, je suis vraiment désolé pour ma traduction approximative, mais bon, j'espère que pour ceux qui comprennent vraiment pas l'anglais, ça leur donne une piste au moins. Voilà. Donc, fin de cet épisode, 20e mission, un boss qui n'a pas été si difficile que ça. On a pris notre temps et on a tué les ennemis avant d'être surchargé par tout le monde. Donc, ça a bien été. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à cocher la cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. Et laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.